Cimetière Maurice et nous c'est notre hibiscus Liliflorus, le dame la mandrine, endémique de Rodez. Et ça aussi c'est unique ça, seulement Rodez. Ouais, c'est bon. Je veux dire, ça c'est la réserve de grande montagne, le centre c'est là. Oui. Et on est là, je veux dire, il y a quelques marches en bas. Et le coteau, je veux dire, c'est faire un circuit. Alors c'est ça, faire le circuit ici, passer dans l'enclos des tortues, aller vers le point de but, tout ça. Ça fait un kilomètre, ok, tranquille, on va dire une 32 heures la marche. C'est pour voir la faune et la flore de Rodez, justement. Et on a commencé le projet en 2016. Et plus par réserve, c'est 25 hectares. Oui. Et nous, la motion, voilà, bien sûr, on existe en Rodez depuis 1996. Et on travaille en collaboration avec Bois et Forêt, justement pour la restauration de la réserve de Grande Montagne. Okay. Déjà, Grande Montagne, c'est le nom même, Grande Montagne. Et là, on est à 350 degrés. Et pour voir cela, il faut aller vers le point de vue. Et là, vous allez avoir une idée de ce qu'on va avoir au niveau de la mer. Ok. Ok. Top, merci. Je vous en prie. Rodrigue, c'est uniquement, on veut dire, endémique de Rodrigue, le cardinal jaune, qu'on appelle le foudi. Foudi de Rodrigue, et bien sûr, la foudre de Rodrigue. Et aussi, notre chauve-souris, la roussette. Mmh. Voilà. Ça, c'est endémique de Rodrigue. Bien sûr, les plans noirs. Et par exemple, tout un travail concernant les plantes rares, par exemple le café marron dans la réserve, plante unique au monde, et justement c'est un programme de conservation. Et on a retrouvé en 2008 un café rouge, et ça c'est l'équipe de la Wildlife, et bien sûr avec l'Union. Ah, c'est les espoirs solitaires. Voilà, retrouvé en 2002. Et aussi la petite tortue endémique qu'on appelle du monde. Et tout ça, ça a été retrouvé en 2014. Excellent. Et ça, c'est reconnu mondialement. Ok. Je veux dire que les gens bossent très dur. Oui. C'est pas fini, c'est toujours. Parce que la réserve, c'est toujours en projet de restauration. En fait, c'est vraiment la nature quand on voit les wildlife. La nature, justement, la nature. Alors, pour Maurice, c'est bien sûr Kestrel, sauvé de l'extinction. Yes. Parce que Wildlife, Maurice, Wildlife, Rodrigue, c'est la même affaire. Oui. C'est sauf que nous, on la branche de Rodrigue. Alors, pour Maurice, bien sûr, le Castel, la Yogurge Nationale, comme vous pouvez voir. Yes. Et ça, on est très fiers de ça. Et pour Rodrigue, c'est bien sûr le cardinal jaune et la fauvette de Rodrigue. Mais pour voir le cardinal très jaune, ça, il faut venir en été, période de reproduction. Parce que là, c'est presque fini. Parce que là, on va passer en hiver bientôt. Je veux dire, c'est normal. Mm-hmm. Ouais, monsieur est normal comme madame. Ouais. Pareil pour le cardinal rouge. C'est-à-dire, oui. En été, tout rouge. Mais en hiver, je veux dire, c'est normal. Tout jeune. Ouais. Mais ça, c'est unique à Rodrigue, ça. Je veux dire, unique, ça. Que Rodrigue, ça. Endémique de Rodrigue. Comme le castel endémique de Maurice. Super. Vous voyez, la nature, c'est extraordinaire. Moi, d'ailleurs, franchement, c'est inspiration. Dans la nature, comment dire, pour vous. Tous les jours, on fait visite là. Chaque visite, ça me donne une visite, c'est comme un coucher de soleil. C'est jamais les pareils. Nous trouvons une surprise, nous trouvons des oiseaux, nous trouvons des insectes. Nous trouvons bientôt là, à partir de mai, nous trouvons une baleine sur du point, je veux dire la partie est. Et ça, c'est à partir de mai. Ça, c'est visite, comme si surprise pendant la visite de l'hiver. Ok. Donc, tout au long de l'hiver, je veux dire mai, juin, juillet, août, je trouve une baleine après. Il dit, vous étonnez, il y a une réserve à 352 mètres, mais il faut baleine quand même. Et ça, c'est la magie de Grande Montagne. Voilà. Ça, c'est la surprise en hiver. Ah ouais, merci beaucoup. Bonjour.